d'intégrer des salariés, des sociétaires ou des administrateurs du Crédit Mutuel dans l'organisation du festival. Pour nous, ça nous a paru très très original. Tout d'un coup, ce partenariat permettait aussi d'apporter finalement toute une équipe déjà constituée. Je suis administrateur. Je suis RET. Administrateur au Crédit Mutuel. Au niveau du Crédit Mutuel, on est bénévole. Je suis administrateur, je suis vice-président. On est bénévole pour les boucles de la Mayenne, l'Urban Trail et pour bouger les cars podiums. Je m'occupe, c'est surtout de la logistique. Il s'agit du montage, donc du chapiteau. C'est aussi le démontage et le rangement de l'ensemble du matériel, qui n'est pas non plus une mince affaire. Au début, on travaillait dans la forêt, même dans la neige, quand il fallait, quoi. Mais c'était sympa aussi. Ensuite, j'ai fait l'arche métallique, où là, c'était du costaud, quoi. Mais c'était bien. Mon rôle de bénévole sur les traversées Tatillou, c'est d'aider à la mise en place de la publicité Crédit Mutuel et puis l'accueil des festivaliers. Certaines missions, c'est pour d'abord déjà de conduire des véhicules, quoi, les emmener sur place, quoi. Puis alors, les boucles de la Mayenne, c'est la publicité. On a décidé d'aider nos associations qui avaient certaines fois un manque de bénévoles. Nous, on finance et en plus, on participe. Il y a beaucoup de bénévoles en tant qu'élus, en tant que salariés, qui viennent aider pour faire tourner cette manifestation-là au mieux. On fait partie, avec mon collègue, d'une association qui s'occupe des handicapés. Et ces associations-là, s'il n'y avait pas de bénévolat, ça serait impossible de les faire marcher. C'est un peu pareil pour le Crédit Mutuel. S'il n'y avait pas de bénévoles, il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourraient pas faire. C'est la valeur des relations humaines qui est mise en avant et qui permet de pérenniser et de faire progresser tous les événements, quels qu'ils soient. Ce qui me pousse à m'impliquer, c'est exactement la même chose que ce qui m'a poussé à devenir administrateur. C'est se sentir utile. Avant tout, on rend service au Crédit Mutuel et comme j'aime bien le Crédit Mutuel, c'est quand même tout à fait normal, quoi. Et j'y trouve évidemment plein de bonnes choses, c'est convivial. On est tous impliqués, salariés, conjoints. C'est plein de bonheur, c'est de l'amitié presque. On rencontre tout le monde, c'est vraiment c'est un genre de petite fête, quoi, de petit regroupement. C'est très convivial, quoi. C'est bien, c'est super. À tel point que j'ai incité mes amis à venir nous rejoindre comme bénévoles au traversées. Ce qui m'a amené à collaborer avec le Crédit Mutuel, c'est déjà avoir une occupation et puis surtout de rencontrer des gens et surtout d'avoir toujours une idée de ce qui se passe dans la vie active. Ce qui m'a poussé à m'impliquer en tant que bénévole, c'est d'abord un engagement associatif de plus de 20 ans dans le domaine sportif et puis surtout l'accompagnement de l'engagement du Crédit Mutuel. Cette démarche du Crédit Mutuel me semble extrêmement importante. C'est la démonstration que le Crédit Mutuel n'est pas qu'une banque, c'est une banque différente des autres. Les associations qui sont avec nous, ils tombent un peu sur les fesses parce que ils disent « Ah oui, le Crédit Mutuel, c'est dingue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous aident, des bénévoles. » On n'a jamais vu ça et je pense qu'en France, ça n'existe nulle part. Avoir un partenaire qui nous fournit une soixantaine de bénévoles, vous êtes unique. Nous, vraiment, ce qui nous a plu, c'est vraiment le vrai partenariat. C'était pas juste un partenariat, on va dire, financier. Il y avait de la présence, il y avait vraiment de l'échange. C'est vraiment, ça nous a vraiment permis de renforcer notre partenariat et de mieux faire connaissance avec l'équipe locale. Que ce soit des bénévoles du Crédit Mutuel, des salariés ou des élus qui viennent nous aider à installer, par exemple, on a beaucoup apprécié. C'est encourageant et réconfortant de savoir que l'équipe peut s'agrandir et on peut compter sur les acteurs locaux. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel, je le dis à chaque fois à tous les autres partenaires, ce n'est pas seulement un appui financier, c'est un soutien logistique important et c'est des bénévoles qu'on retrouve toujours dans toutes les manifestations du département. J'avoue, des partenaires comme ça, si on avait ça tous les jours, ce serait magnifique.